La plage de Copacabana transformée en camping géant. Marc tente de défendre son bout de territoire, mission impossible vu la foule. Comme il y a beaucoup de monde, ils essaient de passer, de prendre toute la largeur et nous on voulait faire une muraille pour protéger notre campement qui est juste là, de la montée de la mer. Et ça a plutôt pas mal réussi, donc on se défend. Ils sont des centaines de milliers de pèlerins à dormir ici, à la Belle Étoile, une première à Copacabana. Comme ce groupe d'Argentins, originaire de Buenos Aires. C'est une façon de vivre notre foi. Tout le monde qui campe comme ça, dans le froid, sans confort, mais peu importe. Plus de place sur le sable pour les retardataires qui investissent les rues alentour, quitte à dormir sur les pavés. Moi, je dors ici, ma femme juste là et les autres, on verra. C'est la nuit des jeunes, on n'a pas vraiment besoin de dormir. Le Woodstock des Cato, comme on surnomme les JMJ, est déjà un succès. On a enregistré jusqu'à 3 millions de personnes, un record pour Copacabana.